Attention, trop de réglementation tue la réglementation, ça n'est pas qu'un slogan. Je crois qu'aujourd'hui, le cri d'alarme qui est lancé dans ce département est sans doute à l'image, je le redis, des inquiétudes, mais plus encore, au fond, d'une incapacité peut-être à rendre compatible un certain nombre d'attentes et ne pas trop, j'allais dire, donner d'importance à certains lobbies par rapport à d'autres. J'aimerais, par exemple, sur un phénomène qui malheureusement gagne ce département également, je vais parler de la présence du loup, qu'on ait un peu la même attitude. Quand un éleveur voit son troupeau décimé par une attaque de loup, eh bien, au nom de la biodiversité, on trouve ça normal. Mais quand un éleveur veut curer, par exemple, un fossé pour améliorer l'écoulement des eaux, là, haro et tout de suite pénalité, tribunal, etc. Donc voilà, il y a aujourd'hui besoin de remettre un peu de bon sens dans toutes ces relations.